Il s'est tenu ce mardi à Kananga un atelier de formation en faveur des présidents fédéraux de partis politiques et personnalités membres de l'Union sacrée de la nation. Cet atelier d'un jour a porté sur les innovations de la loi électorale ainsi que de plusieurs autres thématiques liées au processus électoral. Sola Ntumba Mufika. Il peaufine déjà les stratégies en province pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo au scrutin de décembre 2023. Et pour atteindre cet objectif, la remise à niveau est plus que nécessaire. Voilà pourquoi ces fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation Kasaï centrale organisent cette séance de formation en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante sur ces matières bien définies. Pour la première fois dans l'histoire des partis politiques dans notre province, le parti politique a sollicité l'accompagnement et l'expertise de la CENI pour renforcer et pour le renforcement de leurs capacités en ce qui concerne les différentes innovations de la loi électorale sur les notions ci-dessous. Seuil de recevabilité des listes, seuil d'éligibilité, calcul de quotient électoral.